Salut à tous et à tous les amis, c'est Empereur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des aventures de Cassandra dans Assassin's Creed Odyssey. Et je vous ai laissé avec un dilemme. Enfin, je me suis laissé avec un dilemme dans le dernier épisode, la mer ou l'amphithéâtre. Et j'ai décidé, les gens, de partir bourrinaille un petit peu. On va montrer à ces navires que l'Andrestia, ça se passe. Voilà, tout simplement. Alors déjà opération, on va lui rentrer dedans, ça va lui faire la... Ouais. Il y a un petit navire là-haut, va prendre cher aussi. Allez, moi j'attends mon équipage, hein. C'est eux qui font le travail. Voilà. Allez, vous êtes morts. Myrine. Le frangin balèze. Ah, les deux autres sont déjà là. Allez, vas-y, frangin. Allez, vas-y. Allez, Daimos. Allez, il va tranquille. Ah, il prend son temps, regardez. Il a touché. Allez. Allez, Myrine. Allez, bon sang, 3 contre 1. Vous allez le coucher quand même. Oui, bon, le frangin, hein. Voilà. Bon, c'était sympa, les Perses. Eh gens, ça me rappelle 2 épisodes que vous pouvez revoir évidemment sur ma chaîne. Lorsqu'on avait poursuivi tous les membres du culte liés de la mer Égée, le requin et la pieuvre. Bon, il n'a rien à voir les gens. C'est juste un connard qui a rien compris. Et de 2. Ça va être du rapide, les gens, je pense. Ça va être du rapide. Il nous reste encore un navire à couler. C'est celui de l'autre photo, là. Ah, la tempête, la terre va avoir une sacrée arme, quand même, parce que... Ouais. Mon avis, ça va être du rapide. Bon, les gens. Allez, Myrine. Allez, Myrine. Vas-y, Myrine. Tu parles. En fait, faut, les amis, un conseil. Si vous faites Assassin's Creed, ne tuez pas le frangin. Ne tuez pas le frangin. Parce que quand vous l'avez dans votre équipage, il vous nique des mamans, les amis. Mais d'une vitesse dont vous pouvez même pas imaginer. Oh, la puissance qu'il a. Bon. Et de deux, les gens.
Le troisième, je crois qu'il lui reste à peine 5 PV. Non, on l'avait déjà coulé le troisième en plus. Bon, il y avait un petit navire aussi qui nous a un peu gonflé, bon. Mais du coup, est-ce que cet épisode-là, j'appellerai pas Je suis la terreur des océans, partie 3 Lui il me touche, les gens, je le bute. Après, je peux faire ça. Non, ça a rien fait. Allez, Myrine. Allez, Myrine. Le frangin, il charge. Ouais. Bon, Aspasia avait raison, hein. Le frangin il est quand même difficile d'avoir ça dans ton culte. Je peux comprendre qu'il était devenu ingérable. Sacrée flotte, tempête. En avant ! Cassandra qui dit ça comme si de rien n'était. Plusieurs nouvelles quêtes acceptées, les gens. On a un peu coulé quelques navires, hein, au passage, mais bon, ça fait du bien. Ça fait du bien, de petites batailles navales comme ça. Et je suis en train de me dire, il faudrait presque qu'on puisse voler l'arme de tempête. En fait. Il faudrait qu'on puisse lui voler son arme. Vous voyez ce que je veux dire, les gens ? C'est arrivé, tu fais... Tu lui voles son arme, c'est tu lui voles son bâtiment. Ouais. Ah, c'est tentant. Est-ce que le jeu est fait pour ça? Trouver, tuer. Ah ouais, attends. Bah, écoutez, pour le moment non. Les amis, on n'a pas totalement terminé avec. Merde. On n'a pas tellement fini, les gens. On va les buter. L'un des premiers membres de l'ordre. Son navire ne devrait pas tenir très longtemps. Et on fait les paris, les gens. C'est le moment, c'est l'instant, dans les commentaires, tout de suite. Maintenant, vous mettez sur pause la vidéo si vous le voulez. Dites-moi lequel de la famille va buter cet enfoiré, parce que je compte comme tout à l'heure. Regardez. Alors faites-vous les, faites vos pronostics. J'ai été un peu touché par le navire. Eh, surprise! Wow! Eh ouais, salut mon pote! Déjà ? Trop vite. Coucou ! Et c'est parti ! Merde, bah du coup j'ai pas vu que c'est qui l'a tué ! Ah ! C'est le frangin, non? Là, le frangin a tué le capitaine. Mais j'ai pas vu. Parce que du coup, j'ai déclenché un truc, mais le capitaine était déjà peut-être faible. Alors, je regarderai les gens.
Allez, on va le donner à Myrine. Elle mérite, Myrine. Non, en vrai, je sais pas qui c'est. Là, du coup, on a un chasseur de primes. Je crois qu'ils vont nous déprôner. Oh putain, bâtard! Putain, c'est navire de merde, bon. Navire. Oh, joli. Joli. Est-ce que je peux améliorer mon navire, les gens? Il me reste plus que ça à faire améliorer. Ah, il manque encore de l'opsy et de l'argent. On fera ça après, les amis. Au niveau des membres du culte. On dit adieu à Nestor le formidable et... Auguste la clairvoyante. Vous êtes prêts pour un petit suspense? Nous ne pouvons gagner. Kibbens. Nous le prendrons en secret. La démocratie avait affaibli le monde grec. Elle l'avait livré aux mains d'imbéciles charismatiques qui régnaient sur la piébre avec leurs paroles doucereuses. Peu importe la stupidité de leurs propos, alors Auguste riposta, frappa depuis l'obscurité, mais une lame seule ne pouvait suffire contre la mer de la médiocrité. C'est alors qu'elle découvrit l'ordre. Ou ce que ce dernier a découvert, nul ne le sait. Dans tous les cas, ils se trouvèrent. Les amis, indice sur une nouvelle membre qui, donc, du coup, est révélée sur la carte. Où se trouve-t-elle? Elle est ici. Intéressant. On va pouvoir se la faire. Ce serait même tentant qu'on y aille maintenant, d'ailleurs, les gens. Je suis en train de me dire. On peut amarrer notre navire ici, parce qu'il y a une mission ici. On va faire ça, les gens. On a juste ce foutu navire de guerre qui nous suit, là. Et un mercenaire au cul. Eh, il veut me barrer la route, ce bâtard, en fait. Voilà, c'est fini. Si je prends ma vitesse, il ne me rattrapera plus. Allez, les gens, c'est parti, on va les tuer. Deux autres membres maintenant. Quitte à faire, autant y aller à fond. Ouais, elle va nous lâcher, c'est bon. En tous les cas, si la tempête est sur la mer, pour le moment, elle n'est pas dans le coin. Mais de toute manière, je pense pas qu'on la trouvera. Hein. Barnabas. On a de la chance de s'en être encore sorti. Eh ben, ça fait du bien, les gens, hein, parce que c'est vrai que pendant toute la période, avec l'Atlantide, on n'a pas eu beaucoup l'occasion d'utiliser le navire. C'était surtout des petits bateaux à la con, et ça fait quand même plaisir, hein, malgré tout, de pouvoir à nouveau utiliser ce navire. Et le frangin est une machine de guerre, hein. Là, lui, les gens, conseil, hein, je maintiens, hein, vous ne tuez pas le frangin, hein. Il faut le laisser vivant à la fin de l'aventure, hein. C'est dommage qu'on puisse pas leur parler. C'est juste dommage qu'ils sont devenus un peu insignifiants à la fin du jeu. Enfin, qu'ils n'ont pas plus d'influence que ça dans les DLC. J'aurais bien voulu quand même avoir l'avis de Myrine, hein, concernant ce nouveau culte. Peut-être qu'elle aurait une vision des choses différente. Et j'aurais aimé en secret une petite intervention d'Aspasia quand même, malgré tout. Y a personne, Cassandra. Si, y a un mercenaire. Allez, vous voulez savoir ce qui a aucun sens? C'est ça. C'est toi qui me suivais?
Allez, les amis, on va se débarrasser d'elle. Et de tous les mercenaires qui nous casseront les couilles. Parce que je crois qu'il y en a un deuxième aussi. Casse-couille, lui. Et ouais, c'est bien Cassandra qui a inventé la mitraillette, les gens. Ne vous souciez pas d'autre chose. Bon les amis, on rendra hommage aux mercenaires, ben, on va le faire tout de suite, hein. Quitte à faire, comme ça au moins j'oublierai pas. Alors les amis, ils étaient où? Ils étaient loin, hein, ces deux-là. On commence par lui, c'était le survivant. Messalio, ce survivant. On ne sait peu de choses de ce missio. Sur sa première bataille, il s'est senti plus doué qu'il ne l'imaginait et a choisi la voie du mercenaire. On ignorait pourquoi il a pris part à cet affrontement, mais cela a engagé une bête dangereuse. Effectivement, il avait l'air chaud. Nouveau mercenaire découvert aussi, les gens. Ah non, c'est elle, ok, t'es tué. Excusez-moi. Lydia, l'exauceuse de souhaits. La plupart des mercenaires acceptaient leur contrat en personne, mais pas Lydia. Ceux qui désiraient l'employer devaient lui laisser un message avec le prix qui était prêt à payer dans un lieu secret. Ses commanditaires ne savaient pas qu'elle avait accepté lorsqu'elle venait se faire payer. D'accord. Ok, les amis. On a encore quelqu'un à buter, alors voyez maintenant, il me reste précisément un peu moins de 7 minutes de vidéo. Et on va en profiter, et vu que c'est le temps de midi, je me dépêche avant qu'on... Alors avant d'aller manger les gens. Et les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, nickel, on va les tuer hyper le sordite. Par contre, Assassin's Creed Odyssey, niveau nom, les gens, j'ai été 0 plus 0 depuis le début. Hein. Voilà. Soyons clairs, on était précis. C'est un mercenaire. Trois mercenaires ou un épisode? Oh la hache. Je me rappelle plus à quel moment j'avais réussi un exploit pareil. Ah, celui qui m'a collé. Bon, trois mercenaires en épisode. Alors les gens, non seulement on s'est fait une petite bataille maritime, mais en plus... J'étais sympa avec vous. Une bataille sur terre. Hey.
Mais ils sont à 5 contre lui. Ah, t'as passé le mot, voilà. Ce mercenaire a été envoyé par la tempête. Et ce ne sera pas le dernier. Ok. Apparemment, mauvais aussi. Ils aiment se battre, ces gens, aujourd'hui, hein. Ouais. L'heure de manger, les gens. Ne vous inquiétez pas. J'aurai le temps de mettre quand même un terme à cet épisode avant. On va juste tabasser les villageois vite fait. Ça sert à rien de les tuer. Les mettre KO, c'est déjà bien. Voilà, ils auront un peu mal les dents, mais ils sont vivants. Bon, c'est qui ce mercenaire qu'on avait au cul, les gens? La tempête nous a envoyé un mercenaire. Très bien, la tempête. C'est sympa, mais... On boit du plus lourd la prochaine fois. Donc... C'était Irpé la femme. Si quelque chose était bon pour le peuple, le moyen d'y parvenir apportait-il? Selon Hypnote la femme, non. Naturellement, ceux qui triomphaient ou trahissaient n'étaient toujours pas de son avis. Ok. Ça commence à faire beaucoup de mercenaires de mort, les gens, quand même, dans cet épisode. Autant dire qu'on a... On a coulé 4 navires... On a tué 2 membres de l'ordre. Je pense que notre ami Tempête doit peut-être commencer légèrement à trembler. En tous les cas, les amis, on va mettre un terme à cet épisode. Je sais, il va être un peu plus court que d'habitude. C'est l'heure de manger, j'ai le graillon. Voilà. Avouez-le, quand c'est l'heure de manger, rien ne passe au-dessus. En tous les cas, on a 2 nouveaux colliers de l'image d'enchaîne. Je ne sais pas à quoi ils servent, ces colliers. J'espère qu'on aura quand même une réponse. Les gens, quand même, le planning du prochain épisode, parce que j'aime donner le planning du prochain épisode. Déjà... On va retirer les 2 mercenaires qu'on a au cul, parce que fin d'épisode, oblige. Voilà, on retournera à la capitale. Je sais même plus comment c'est le nom de cette ville, c'est Patria. On retournera à Patria, parce qu'il faudra qu'on aille ici. L'amphithéâtre, les gens, que nous avait demandé Darius sur le dernier épisode, et trouver et tuer Athos, qui a peu et les bêtes. On fera ça sur le chemin du retour, puis on ira à l'amphithéâtre, les gens. Je crois que c'est les 2 seules quêtes qui nous restent. Il y a aussi le trésor, merci Malaka, et le reste c'est, ben, il faut trouver tuer tous les membres de l'ordre. Lol. En tous les cas, les amis, c'était Empereur, on se retrouve lors du prochain épisode sur Assassin's Creed Odyssey. Et la bonne nouvelle, les gens, et je vais finir avec cette pointe-là, parce que je viens seulement d'y penser, c'est vrai que j'enregistre toujours un mois en avance, mais à l'heure où cet épisode va sortir, ça fera officiellement 2 ans que je joue à Assassin's Creed Odyssey. Je pensais finir le jeu pour les 2 ans. On n'est pas encore officiellement en octobre. Hein, quand je filme, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je filme un mois en avance, ça sortira un mois après. Donc quand cet épisode va sortir, oui, ça fera 2 ans que je joue à Assassin's Creed. Pour vous, voilà, pour ceux qui regardaient Let's Play. Pour moi, il me reste un mois, potentiellement, pour espérer, pourquoi pas, finir cet Assassin's Creed Odyssey avant l'arrivée de Assassin's Creed. Valhalla, c'est important, les gens. En tous les cas, on s'arrête là. C'était Empereur, la suite. Au prochain numéro, les gens. Salut.